à tout moment. De ces colonnes embrasées, il renaissait d'autres fusées, ou d'autres formes de pétards, ou quelque autre fond de sitar. L'un contre l'autre combattant, voltigeant et pirouettant, faisait un bruit épouvantable, c'est-à-dire un bruit agréable. Que le cœur des Néréides s'enfuit sous ses grottes humides. De ce bruit, les thunes étonnées, il craint de se voir détrôner si le monarque de la France, qui est rassuré par sa présence, ce dieu des mois du tribunaux, qui crut que les dieux infernaux venaient donner des sérénades à quelques-unes des naïades. Retourner à Fontainebleau cette même nuit, les mousquetaires étaient commandés. On retourna donc au château où la collation était préparée. Pendant le chemin, tandis qu'on s'entretenait de ces choses, et lorsqu'on ne s'attendait plus à rien, on vit en un moment le ciel obscurci d'une épouvantable nuée de fusées et de serpenteaux. Faut-il dire où est-il? Cela partait de la lanterne du dôme. Ce fut en cet endroit que la nuée creva d'abord. On crut que tous les astres, grands et petits, étaient descendus en terre afin de rendre hommage à ma femme.